qui fait quoi, quand, comment. Télé-Caraïbes est partout naturellement. Vendelive couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. Vendelive en toute ponctualité. Vendelive, nous sommes directement présents dans tous les événements. Nous faisons des rapports, un rapport en août, le 20 août 2021. Après, nous analysons le rapport de CPJA, deuxième dans le 6 janvier 2022. C'était pour nous montrer, après nous avons lu le rapport de CPJ, nous parlons avec des enquêteurs, nous parlons avec Gilles qui a fait le rapport préliminaire pour nous analyser. Et c'est ça que nous sommes là. C'est un gros jour pour nous, nous attendons ça, parce que nous voulons tout bien faire sur l'assassinat. Nous-mêmes, comme organisation de droit, nous bataille contre l'impunité, nous bataille contre la société associée, citation d'état des droits, nous bataille contre l'organisation PIA. Eh bien, c'est un gros jour pour nous, pour nous garder, qui ça nous comprend, qui ça nous lit, et nous ça, et nous espérons que les contributions, ça nous dit, capable et des juges à. Invitez ma petite. La paix a fait les bandits ont déposé la ZAM. Ou pas qu'à gagner ZAM, non, moi, parler de la paix. M'passe c'est son mot bagaille, les yon partis sur l'autre, ou pas dans le quartier défavorisé attaquer le monde. Mais toute attaque qui fait dans le quartier défavorisé de 2018 à nos jours, eh bien, la police a est toujours une équipe en matérie, la police a et d'autres institutions. Et, à massacre dans le quartier défavorisé, qui bat nous tout crime ça, c'est Petro-Caribé. Après la population a découvert en 2018, et le régime PHK dilapide la fond Petro-Caribé, il va où d'âme avec une mission de quartier des favoris qui vont massacrer. Qui fait quoi, quand, comment. Télé-Caraïbes est partout naturellement. Vendelive couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. Vendelive en toute ponctualité. Vendelive, nous sommes directement présents dans tous les événements.